Un conseil de ministres s'est tenu hier au palais de la présidence de la République. Comme à l'accoutumée, les travaux étaient dirigés par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. La synthèse dans ce reportage de Bienvenue Minko. Le ministre tient ses assises. Autour du chef de l'État, les membres du gouvernement, le premier ministre planche sur des questions de développement. Sur la grande table ce matin, le social est le centre d'intérêt. La rencontre se tient au lendemain de la première réunion du comité de concertation sur le pacte social. L'équipe que dirige Maître Séraphin Dao s'attelle au devoir social pour des jours encore meilleurs au Gabon. Les travaux de ce jour devraient également se pencher sur la PIP, la prime d'incitation à la performance. Le dossier, entré dans sa phase d'exécution et de paiement, s'inscrit désormais pleinement dans son rôle de contribution à la mise en œuvre de la stratégie d'investissement humain au Gabon. Sur un tout autre aspect, le Conseil des ministres devrait évoquer l'affaire Payan. Le journaliste et écrivain français Pierre Payan, l'homme qui valait 6 milliards de francs CFA, selon le site français Mediapart. Le désormais célèbre chasseur de primes est cité dans une tentative d'extorsion de fonds de 10 millions d'euros à l'État gabonais contre la non-publication d'un de ses ouvrages. Le communiqué final de ce Conseil des ministres sera rendu public.